GEFP, prêt à relever le défi. Le groupement des entreprises franches et partenaires, ou GEFP, se réjouit de la réintégration de Madagascar au sein de l'AGOA. Le GEFP est prêt à travailler avec les dirigeants actuels pour atteindre le défi concernant la création d'emplois, comme nous l'explique Eva Razafmandim, directeur exécutif du GEFP. Nous nous réjouissons de cette décision venant donc du gouvernement américain. Et le GEFP étant aussi partie prenante, nous occupons la plupart des parts de marché vers les États-Unis d'Amérique durant notre intégration au sein de l'AGOA. Et nous espérons que d'ici peu, les investisseurs et les entreprises surtout qui étaient fermées durant la suspension de Madagascar vont revenir vers le pays. Et nous œuvrons aussi pour la création d'emplois surtout à Madagascar. Et nous sommes prêts à tenir main dans la main avec le gouvernement afin d'atteindre les objectifs qui se sont fixés par rapport à la création d'emplois, 500 000 emplois qui vont se créer d'ici quelques années.